Jérémy, il y, y a un domaine que moi je ne connais pas du tout, toi tu le connais bien, c'est celui de la gestion des déchets, mais encore plus précisément, l'idée et la philosophie du zéro déchet. C'est quoi la Minute Zéro Déchet Alors l'idée de la Minute Zéro Déchet, c'était qu'on parte à la rencontre de personnes, de projets, euh, qui sont porteurs de, de cette philosophie du zéro déchet, je dirais plus largement d'une conscience environnementale sur notre façon de consommer euh, et de se comporter, euh, je veux dire, sur, sur Terre. Quoi. Il y a beaucoup d'exemples dans la région et j'aurais voulu approfondir moi ça. Eh bien, écoute, c'est l'idée un petit peu de notre road trip. Moi, je t'ai concocté un petit tour dans okay. l'arrondissement, la, on va dire, avec une série de rencontres qui nous ont particulièrement marqué. Ouais. Et à commencer par euh, ici, on est devant chez Véronique Croquet. Alors Véronique Croquet, c'est une citoyenne euh, comme toi et moi. Et il euh, y a de ça d'original que finalement, elle a entrepris cette démarche zéro déchet, elle, il y a déjà 25 ans. Ah oui. Et on a tendance à croire que c'est plutôt une mouvance, quelque chose de, de, qui est à la mode et qui, qui est finalement une tendance. Et, et non, elle est, elle est la preuve du contraire. Donc, ça ça, euh, ça m'attrive vraiment ça. Ah ben, écoute, on va la voir tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour. Entrez, entrez, bienvenue. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Très heureux de faire votre connaissance. On, on peut citoyer Oui, bien sûr. Merci. Voilà, bah ouais, merci. Euh, J'expliquais juste devant la porte à urba, je disais euh, Véronique, finalement, euh, quand j'ai rencontré, je me suis dit, oh, c'est vraiment la, la femme zéro déchet avant l'heure. Et, euh, et là, euh, je vois que tu nous as préparé la petite panoplie zéro déchet un peu classique. Euh, c'est ça le zéro déchet C'est le début du zéro déchet, et puis après, euh, fatalement, c'est plutôt une philosophie de vie, et ça se fait de façon très progressive. J'ai commencé il y a 25 ans, et, et puis progressivement, on change sa manière de consommer et sa manière de, de se déplacer manière de consommer, donc finalement, ce n'est pas qu'une question d'emballage, c'est aussi une question de, de réflexion. Au départ, on j'ai voulu diminuer mes poubelles, et puis c'est vrai que très rapidement, on passe au bio, local, euh, moins de viande, euh, se déplacer différemment, euh, pollution numérique, euh, les voyages. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça l'art du dépouillement La sobriété heureuse. Oui, c'est pas mal non plus, ça. <laughs> c'est pas Toi, tu as commencé cette démarche-là Tôt, je veux dire, tu étais un petit peu avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est une tendance, entre guillemets. Euh, à l'époque, pas forcément. Donc, comment c'était perçu euh, par ton entourage, par les gens autour Un de toi peu comme une extraterrestre, voire une empêcheuse de tourner en rond. <laughs> que ce soit au niveau des amis, au niveau des enfants, au niveau de mon mari même. C'était pas toujours facile. C'est un peu ça le plus difficile. Le zéro déchet, c'est aussi, euh, je pense, une, une organisation de vie qui est un petit peu différente, au niveau des, des achats notamment, euh, principalement. Et donc, euh, chez, chez toi, comment ça se passe c'est vraiment une question d'habitude. Au début, on refuse simplement les sachets dans les magasins. Et puis après, ben, il faut anticiper il faut avoir fait sa liste de courses et avoir prévu tous ses, tous ses contenants en allant au magasin pour ne pas se retrouver dépourvu. Euh, il faut cuisiner un peu plus il faut faire sa mayonnaise, sa compote, euh, ses confitures, son pain. Il faut. Non, c'est l'idéal. Il ne faut pas, certainement pas donner des injonctions aux gens. Chacun fait ce qu'il peut. Ça, c'est important. Hein. Parce que si ça devient un militantisme avec des injonctions de la culpabilité. C'est contre-productif. Ben oui, tout à fait. Il faut convaincre. Il oui. hein. euh, y a une chose qui m'étonne, quand je suis venu dans... On est arrivé, je ne vois pas de potager chez vous. Parce qu'on a déménagé il y a quatre mois. OK. Et, il que, est et, et que le jardin était il complètement retourné. Mais okay. de l'autre côté, j'avais un très grand potager, un okay. lagunage pour épurer les eaux, voilà. des poules. Donc, euh, minute, ça va venir. Oui, d'accord. Non, ce que ça me. Ça, oui, ça, oui, ça, oui. ça me frappait, vraiment. Oui. Et dans cette nouvelle maison, si vous avez déjà un frigo, oui. Moi, je pense que le frigo, c'est un peu des fois le poids de départ idéal pour commencer à discuter zéro déchet. Il y a des gens qui vivent sans frigo. Il hein. y a des gens qui vivent sans frigo, mais il y a aussi des pour gens chez qui on va, on ouvre le frigo, on se dit ah, il y, y a des décalages quoi. J'imagine que tu as dû rencontrer ça quelques fois. Clairement, quand je vais chez des amis pour un souper et puis que j'aide à débarrasser et que je le frigo, ouf, je suis euh, chaque fois choquée. Euh, J'essaie de ne pas trop dire parce que c'est <laughs> c'est pas sympa. Vous connaissez ce vieux proverbe chinois, montre-moi ton frigo, je te dirai comment tu vis. <laughs> Vous montrez ça le ça Je ne sais pas. Alors, on, va. on va le voir. Le va le voir. Oui. Alors alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans urbain proverbe chinois. Qu'est-ce que ça nous ah dit Ah oui, Véronique, voici donc l'audit zéro déchet de ton frigo. Alors, tout premier constat, point de vue convivialité. Il y a du vin blanc, il y a de la val impeccable. Bien vu. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ça ressemble fort à mon frigo. Et ça ressemble fort, en fait, à, à, à tous les frigos des, des personnes un peu dans cette démarche zéro déchet que je connais. Et, euh, et j'ai envie de dire beaucoup de vrac, beaucoup de bocaux, etc. Et aussi, parfois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quelques incohérences, quelques... il y a des choses qui sont un peu impossibles. Non je suis complètement d'accord avec toi. Euh, il y a de temps en temps des achats qu'on est obligé de faire autrement, notamment au niveau de la conservation, par exemple, la crème fraîche. Si je l'achète, euh, la crème fraîche locale, elle se garde 3-4 jours. Donc, pour euh, parer à l'improviste, bah, il faut avoir un peu de, de crème fraîche euh, pasteurisée. Quand tu allais chez, chez les commerçants il y a quelques années, ça se passait comment en fait? Moi, c'était parfois rigolo, il y avait parfois des... un petit peu des gags. Euh, je me rappelle que quand j'allais chez le... Au début, quand j'ai commencé le zéro déchet, je ne pouvais plus aller dans des grandes surfaces, ça oui. ne fonctionnait pas à l'époque. Oui. Donc j'étais par exemple chez un légumier, et quand je demandais pas de sachets, je les répéter à chaque achat. Je prenais une pomme, deux oranges, il me prenait chaque fois, c'était un, un geste automatique chez lui. Et quand je quittais le commerce, il me racontait après que le client suivant lui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame-là Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas de sachets C'est ça. Euh... C'est un peu la tendance inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on nous, on, on nous dit, euh, prenez en vrac, prenez vos, vos sachets réutilisables, etc. Donc il y a quand même une, une nette évolution. C'est nette... plus facile d'être zéro déchet aujourd'hui que, que de l'être. Nettement, il y, y, y a les commerces qui s'y prêtent, euh, les gens sont habitués. Euh, je pense que la démarche était plus difficile, plus extraterrestre, il y a, il y a 25 ans que maintenant, ça c'est sûr. Alors pour revenir au frigo, est-ce que l'étape ultime, ce serait finalement bah, la, la disparition pure et simple du frigo Il y en a qui y arrivent, moi je n'y suis pas encore. Écoutez, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais en attendant cette étape ultime, nous on va continuer notre petit tour. Ça marche, oui. Merci, et je pense que le frigo, pour la consommation d'énergie, il vaut mieux le fermer. Ok. Ça ben dit donc, ça monte et ça descend, ça se mérite, hein Ça se mérite. On, on est où ici, en fait Alors, on est à Obel, euh, chez Carotte et Facelli. Alors, c'est chez Caro et Charlotte, ouais. Ils sont euh, deux filles, deux maraîchères de, de ma génération, euh, qui ont décidé de se lancer il y a cinq ans. Voilà. Ouais. Alors, quel est le rapport, en fait, entre leur boulot de maraîchage et la, la philosophie du zéro déchet J'essaie je, je, de faire un lien immédiat, je ne le trouve pas, en fait. Et alors, bah écoute, tu vas t'en tu vas rappeler, on revient ici de chez Véronique. Ouais. Et on a pu voir, notamment en analysant son frigo de près, que l'alimentation avait, euh, avait un énorme impact euh, sur notre durabilité, sur la durabilité de notre consommation. C'est ça. Et donc, euh, le lien avec le circuit court, avec une alimentation locale, etc., se fait de manière assez évidente. J'avais envie qu'on aille en parler avec elle. Oh, on va voir ça alors. Hein. Ah bah écoute, go. Salut, chat. Salut, Caro. Salut. salut. Bonjour. Vous allez Bonjour. bien Ça va bien, merci. Charlotte, Caro, Urbain, très heureux. Enchanté. Enchanté. Bah, on va pas se mentir, on vous attendait. On va parler circuit court. Yes. Nous, on s'est dit que c'était plus sympa de le faire les mains dans la terre. Jérémy, si tu veux venir avec moi, on va aller planter des salades. Ça me va. Allez, c'est parti. Urbain, on va aller euh, trier des tomates. Du tri, parfait pour Super. moi. Super. Viens avec moi. Alors, voilà l'endroit où vous préparez les commandes. Oui. Donc, ce que je vais te proposer de faire, c'est de faire euh, des paquets de tomates cerises de 250 grammes. OK. Donc, on a balance. une balance ici, des sachets déjà utilisés, mais à réutiliser. Okay. Et donc, voilà, tu mets des tomates dedans jusqu'à atteindre mmh. 250 grammes. Et, et alors, euh, les jaunes avec les jaunes, les rouges, non Un mélange, multicolore, pour mettre un oh, ouais, peu beau, de couleur là. dans la vie des gens. Ça marche. Ça on va, va voir si j'ai le sens du poids. c'est un beau cadre de travail, ici, en tout cas. Oui. Hein. C'est euh, quoi, plus ou moins, la superficie du terrain euh, On cultive à peu près 40 nous. 40 heures c'est grand C'est pas grand euh, C'est pas grand, non. C'est vraiment une petite surface. OK. Ouais ouais oui. OK. Bon, alors, dis-moi. Moi, je t'écoute. Hein. Enfin, j'ai déjà porté des salaires dans mon jardin, ouais. mais... <laughs> je vais poser des motes. Toi, t'as ouais. plus qu'à les mettre dans la terre, si ça te va. OK, ça marche. Okay. Je suis. Hop. C'est quoi le portrait robot de vos clients C'est qui en fait Donc ici, euh, ici à Opel, c'est surtout, euh, surtout des familles. oui. oui. <laughs> c'est bien généreux. Un, oui, oui, bah, oui. Donc euh, oui, des familles euh, voilà, qui ont envie d'un peu changer euh, leur manière de consommer, d'encourager de, les, les producteurs locaux. Et alors on a aussi euh, un public à Liège, où là on fournit aussi euh, des commandes comme ici. Et là c'est aussi euh, soit des familles, soit euh, des gens euh, un peu plus militants. On a, a l'image. Un peu, enfin, cette idée du circuit court comme une définition un peu du style, euh, moi je le verrais comme euh, produire localement et limiter les intermédiaires. Oui, à force ça. un peu ce que j'entends qui revient à chaque fois. Et toi, ta vision du circuit court, c'est quoi ce que tu vis au quotidien euh, Pour nous, euh, le circuit court, c'est vraiment développer un lien direct avec notre consommateur, avec les mangeurs. Donc euh, on vend directement sur le champ, directement au marché, directement à nos restaurateurs. Et ce lien euh, avec vos mangeurs, justement, il va plus loin Il y a une prise de conscience en même temps Ou c'est simplement le fait qu'il y ait une proximité C'est des gens du village Ça se passe comment Oui, donc euh, en effet, il y a un gros travail de sensibilisation qu'on mmh. essaye de, de faire, qui nous prend beaucoup de temps, mais qu'on adore. C'est ce partage avec, euh, avec les mangeurs, leur expliquer notre, euh, notre rythme de vie, euh, notre ré réalité du travail pour qu'il y ait un lien de confiance qui se crée et qui nous soutienne vraiment en fait. Bon, ils ont envie et d'encourager euh, plutôt les producteurs et productrices euh, locaux, locales, et euh, aussi de se nourrir de manière plus saine. Donc ils savent bien que les qualités des aliments qu'ils vont trouver ici ne sont pas les mêmes que, que dans les supermarchés. Oui, c'est ça. Et puis, puis ce qui est cultivé ici n'est pas transporté par avion, par ceci, Exactement, par cela. Oui. Et donc ça aussi, c'est zéro déchet. Il n'y a pas aussi une question de tu penses de, de logistique, de question d'habitude, de dire de prendre le pli, de sortir des, si, c'est basique, mais des grandes surfaces pour, pour pour se tourner vers des vers des projets comme les vôtres. Si si clairement. Maintenant on voit bien en rencontrant les gens qu'ils sont hyper enthousiastes. Ça fait du bien à tout le monde en fait de revenir à, à ce genre de, de rencontres et de systèmes. Clairement. Et euh, par rapport à l'aliment lui-même, le goût, euh, vous avez des échanges aussi là-dessus. On n'a pas dans un supermarché hein, à nouveau on n'a pas un échange sur la nourriture. On va pas dire en sortant à la caissière... Euh, ah, C'est vraiment délicieux, vos tomates la semaine dernière. Non, donc, mm -hmm. Vous, vous vivez, il y a un vrai échange autour de la nourriture. Ah hein. Oui, tout le temps. On n'arrête pas de parler de recettes, de voir comment utiliser le légume à 100% aussi. C'est super, super chouette. Les légumes de saison. Euh, les légumes de saison, tout de le temps. C'est euh, ouais, ouais. un métier, quand même, il faut le rappeler, difficile. C'est quoi le plus dur dans, dans ce métier euh, bah C'est vrai que la, la météo, est une partie je pas je facile. C'est bon, là, je t'attends. Oh, mais... fait. Allez, Une tomate de plus, ouais, de météo. En fait. Oui, hein, il vaut toujours mieux mettre une petite en plus au cas où. Euh, Il n'y a donc. pas de souci. Donc euh, c'est vrai que la météo est une partie pas facile, mais ça nous apprend un peu l'humilité parce que au fait c'est vraiment un métier où on, on dépend de la météo, que ce soit de la chaleur ou de trop de pluie, mais voilà la, les plantes vont pas donner la même chose. Euh, donc c'est vrai que cette année ça c'était pas facile avec avec toute la pluie qu'on a eu. Euh, quelque chose d'autre qui est quand même fort difficile aussi, je trouve, c'est qu'on a quand même un rôle fort de, de devoir expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il n'y a pas encore beaucoup de conscience. Enfin, ça commence à arriver, mais euh, on a vraiment, on doit prendre beaucoup de temps aussi pour expliquer aux gens euh, ce que c'est justement le zéro déchet, le commerce local, ce que ça implique euh, dans notre travail ici au champ de faire ça et, et que ça demande du coup beaucoup plus d'énergie aussi euh, dans le travail quotidien. Alors, je pense que j'ai une partie de réponse à cette question, mais être maraîcher en 2021, c'est ça Non, c'est pas simple. Pourquoi C'est pas simple, c'est énormément de boulot et euh, on a du mal à se rémunérer correctement, clairement. Ouais. Maintenant, on a de plus en plus de soutien les gens euh, à gauche, à droite euh, sont de plus en plus souvent présents pour nous, donc euh, moi j'y crois. Mm -hmm. Mais c'est pas simple. Tu dis que euh, c'est dur d'être rentable c'est dur d'en vivre. Ouais. Pourquoi ben parce que tout le monde n'est pas encore euh, prêt à dépenser euh, la juste euh, somme pour euh, l'alimentation, je ouais. pense. Dans la gestion de l'entreprise en elle-même, c'est quoi la politique en matière d'économie au niveau des déchets Donc l'idée, c'est vraiment euh, ne pas créer de déchets supplémentaires. Donc par exemple, euh, dans l'utilisation aussi... Euh, mais voilà parfois on doit on doit faire des purins ou quoi pour un peu euh, aider les légumes quand il par exemple ici il y a eu il y a eu beaucoup de pluie ben voilà on pour les tomates on a fait du purin de consoude pour euh, un peu les renforcer et les aider à à mieux se développer et ça on va pas aller acheter à l'extérieur on va les faire nous mêmes on va euh, on va faire tremper dans l'eau voilà on va on est labellisé bio, mais on va pas prendre de pesticides. On va parce qu'il y en a qui sont autorisés en bio. D'accord. Mais ici, on va vraiment essayer de faire juste avec ce qu'on a sur le champ et de vraiment ne rien amener de l'extérieur qui produirait du déchet. D'accord. Et les emballages, vous les récupérez Les emballages, on essaie de les récupérer. On demande aux mangeurs ou mangeuses de les ramener. Et donc voilà. D'ailleurs, ça, c'est des emballages de pain. En fait, on a un fonctionnement ici avec nos mangeurs qui fait qu'on ne récolte que ce qui est commandé. Euh, donc chaque semaine, ils nous commandent ce qu'ils veulent. On récolte. On n'a jamais de surplus. Pareil pour les restaurants. On a une super chouette collaboration euh, depuis cinq ans maintenant avec un restaurant à Liège, les voisines. Et le concept, c'est qu'elle crée ses menus chaque semaine en fonction de nos surplus, de nos grosses, de nos gros pics de production. Et euh, elle sait aussi sublimer euh, nos légumes abîmés. Euh. Par exemple ici, cela m'intrigue. Là, on dirait la tomate le, le bonjour masqué. Hein, en fait. <laughs> Mais c'est vrai que c'est important d'en parler, parce que voilà des légumes qui, dans la distribution classique, n'auraient aucune chance en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Ceux-là, ils sont déclassés directement. Et nous, comme on connaît euh, les mangeurs, les mangeuses, euh, ils, eux, ils s'engagent aussi à prendre des légumes qui n'ont pas la même tête que les légumes de supermarché et qui ont euh, tout à fait le même goût, par ailleurs. Enfin, le même goût que nos autres légumes qui n'ont pas... Ah oui, euh, ça, c'est aussi zéro déchet. Cette forme-là, exactement. Et alors aussi, dans le zéro déchet, ben voilà... Euh, Ici, on peut voir que les navets n'ont pas du tout non plus euh, ouais. la tête des navets de supermarché. Mais voilà, si les gens n'ont pas envie de les consommer comme ça, ils peuvent aussi, par exemple, euh, les, les conserver. Par exemple, la lactofermentation, qui est ah, vraiment est quoi, euh, un super moyen de conservation. Donc, euh, c'est un moyen de conservation au fait qu'ils n'utilisent pas d'énergie euh, fossile, contrairement à la stérilisation et tout ça où il faut chauffer. Donc là, c'est juste de l'eau, du sel et des légumes. Bah, comme le principe de la choucroute au fait. Okay. Et alors on peut faire ça avec, euh, bah, avec tous les légumes que j'ai ici. Et euh, c'est un des seuls moyens de conservation aussi qui permet d'augmenter la qualité nutritive des ah aliments. Oui. Okay. Et donc c'est super bon pour la flore intestinale, c'est euh, super facile à faire, on met euh, 30 grammes de sel par litre d'eau, on met les légumes dans un bocal, on n'y touche plus. Et puis après, euh, ça sublime les légumes. Alors, choisir de devenir maraîchère, euh, maraîcher, euh, pour les personnes de notre génération, c'est quelque chose qu'on entend un peu plus souvent qu'avant, j'ai l'impression. Euh, par contre, ça reste quand même un choix, euh, ce n'est pas, pas le choix le plus répandu. Quoi. Donc toi, c'est venu comment ton, ton déclic et c'est quoi le, le sens que tu donnes à, à ce choix euh, Mon déclic, euh, simplement, j'avais besoin d'un métier qui était vraiment plus porteur de sens pour moi, de sentir que je faisais partie de la transition. Euh, et le, le sens que je lui donne, euh, moi j'ai vraiment besoin de, de me rendre compte de, ce, de quoi on est capable en, fait, euh, en termes de résilience alimentaire, mmh. d'être assurée, de voir ce qu'on sait créer nous-mêmes, produire, euh, récupérer les semences nous-mêmes, ne pas dépendre euh, de grosses structures. Voilà, et j'arrive bah, juste, juste à la fin de la on est à 250 grammes. Bien voilà. joué Tu m'engages Bravo, engagé Yes <laughs> Voilà Hey et moi, j'ai fait du tri ouais. et de la sculpture sur tomate. Oh, ouf, oh là là, <laughs> c'est sûr c'est qui a fait ça <laughs> bon, bon, On va, va décrocher, moi. Pour la postérité, oui. on, on retient à ça. Euh, merci en tout cas. Avec plaisir. Euh, merci votre, à vous. Votre projet, il est, il est, il est terrible. L'endroit est magnifique. Et, euh... et c'est motivant. On ouais, a appris plein motivant, de choses ouais. et envie de soutenir effectivement des initiatives comme les, les vôtres. Le circuit court, c'est bon pour la région. Ouais. C'est ouais. la base. Je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'il faut amener faire le pas. Et, et, et avoir cette démarche de dire « j'essaye » et se rendre compte que c'est réalisable et que, que c'est juste une petite question de logistique un peu différente. Et, mm -hmm. et voilà. En tout cas, on vous souhaite euh, que du succès. Merci, Merci. Bah, bienvenue quand vous voulez. Hein. Ouais, Avec, vous bien. Dans la Avec plaisir, bon on passe travail. On salut part en vélo, à bientôt. Salut, ciao, ciao. bonne route. Voilà, on est chez EcoPoon. C'est quoi en fait Alors, EcoPoon, ce sont deux jeunes entrepreneurs, Cyril et Maxime, qui ont décidé de créer des couverts comestibles. Et ici, si tu veux, on est devant leur atelier de fabrication, qui oui. est assez récent, euh, qui est assez secret aussi. Donc, leur recette doit rester bien cachée. Donc, on ne va pas pouvoir aller partout, mais je te propose de les rencontrer. Chouette, je vais manger des couverts. Alors, des, des couverts comestibles, l'idée paraît toute simple, et comme toutes les bonnes idées, il faut quand même l'avoir. C'est né comment alors, Maxime et moi, on s'est rencontrés sur les bords de l'école. Euh, on a toujours voulu entreprendre ensemble un projet qui ait du sens. Euh, et un peu au moment où on cherchait après un projet, euh, on s'est retrouvé à un festival et on s'est rendu compte de la quantité ah oui. de plastique à usage unique qui jonchait le sol. Et on s'est dit, voilà, on, on a trouvé ce qu'on voulait faire, on veut trouver une alternative à ça. Euh, donc, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui offre les mêmes propriétés que le plastique. Bien entendu, sur le plastique. Oui, ça ne doit pas fondre. Pas ça raison. ne doit pas fondre, exactement. Tu parles, ah, tu parles de sens. Euh, tu dis qu'on voulait entreprendre un projet qui avait du sens. Ça peut paraître une phrase un peu toute faite. Je suis sûr que ça ne l'est pas. Mais alors, du coup, c'est quoi le sens profond d'Ecopoon euh, bah, C'est vrai que le sens, il est vraiment au, au cœur du projet, au cœur de notre entreprise. Et, et, et aujourd'hui, même dans le développement Decopun, on, on garde ce sens au, au cœur de, de, de l'ADN. Euh, et donc, par exemple, dans notre philosophie, bah, on, on fait vraiment notre maximum pour, au jour le jour, bah, être le plus cohérent possible. Euh, par exemple, euh, les, les fournisseurs avec lesquels on travaille, euh, la farine de blé a des moulins du Val-Dieu qui se situe à, à 10 km de l'atelier. Donc, on, on est vraiment dans cette philosophie de, de circuit court. Alors, il y a l'idée, il y a l'aspect sociétal, mais il y a aussi un autre aspect. On est dans une entreprise qui naît, qui va se développer. Donc, il y a un business model, il faut de la rentabilité. Il faut aussi un impact social, il faut créer de l'emploi, c'est important aussi. Alors vous travaillez comment par rapport à tous ces objectifs Alors bien entendu, oui, il y a l'impact écologique qu'il faut maximiser, mais il faut le combiner à une certaine rentabilité financière. Voilà, on ne peut pas être dans l'idéologie de faire de l'écologie sans penser également à la viabilité. Ça c'est l'aspect durable aussi pour l'entreprise. Exactement. Hein, bah. Et c'est pour ça qu'on a travaillé un an, voire deux ans en amont pour faire toutes ces études de marché et bien vérifier et valider qu'il y avait un intérêt, un intérêt pardon, réel sur ce marché. Et donc il y a un intérêt de la part de l'ORECA au sens large, donc que ce soit les glaciers, les traiteurs, les restaurateurs, toutes sortes de collectivités également, hôpitaux, écoles, entreprises. Pour l'anecdote la, amusante, il y a également une prison qui, qui, qui nous achète des, des cuillères pour les détenus, pour ne pas qu'ils se blessent, pour ne pas qu'ils bouchent les WC. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Euh, mais voilà, vous avez totalement raison. Il faut une viabilité économique et viabilité économique et se développer et, et surtout, euh, moi j'aurais dit aussi le but avec un projet aussi porteur que ça, c'est quand même de toucher un maximum de monde. Mmh. C'est qu'on, c'est que ça disparaisse finalement de de la planète, c'est l'objectif ultime. Est-ce que vous avez une vision plutôt euh, territoriale ou est-ce que vous avez la volonté de, de répandre votre produit euh, hors frontières, par exemple Eh bien, nous, notre vision, c'est justement de, de garder cet ancrage local fort et donc on a la volonté dans les mois et les années à venir bah, de répliquer le modèle de façon locale partout où ça a du sens de, de le répliquer. Et donc demain, on pourrait peut-être avoir une production locale de couverts comestibles et coupunes, euh, dans un autre endroit du monde pour toucher justement les. Les, les marchés euh, à l'étranger et, et être toujours aussi euh, proche du, du consommateur. Vous avez parlé de, de, de glace. Il y a un type, euh, il y a des dizaines d'années, qui a fait fortune euh, grâce euh, aux glaces. C'était euh, Ernest Beaumont-Gans, c'était en 1930, c'était un New Yorkais, un contrebandier qui a eu la, la petite idée de créer, vous savez, les petites ombrelles en papier qu'on met sur les glaces. Ah bon, c'est pas zéro déchet, on est d'accord, ça c'est pas, pas l'objectif, mais par contre, euh, par rapport au succès, moi je vous souhaite vraiment le, le même succès que lui. C'est ben super gentil. gentil. <laughs> et moi je peux dire que j'ai la cuillère en main depuis 5 minutes, ça n'a pas fondu, ah. <laughs> et je la goûte. Euh, voilà. Et j'espère qu'elle est bonne. On est toujours stressé <laughs> quand il y a les des... Non, non, les touillettes c'est parfait aussi. <laughs> Ça le fait... goût du, du knick en enfin. fait. Ouais. J'aime bien cette comparaison et c'est ouais. marrant ce que Maxime dit. Ça fait 50 fois que les gens font le test. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est bon? Et à chaque fois, on, on est stressé, mais on sait que c'est bon et on sait que c'est solide. Moi je trouve que le projet de Maxime et Cyril est assez formidable, mais le core business, c'est le développement durable. Alors que font les entreprises qui ont des dizaines d'années d'existence pour entrer dans le mouvement C'est la question que je me pose en fait. C'est une très bonne question. Moi j'avais eu l'occasion de rencontrer Valérie Geron, qui est une femme de la région, qui a décidé de faire cette question, de cette question finalement de, de l'accompagnement et de la transition des entreprises déjà implantées, notamment son métier. Pour tout te dire, on la connaît, on l'a rencontrée, ce qu'on voudrait travailler avec elle pour Vedia. Ah, bonne nouvelle ça. Écoute, je te propose d'aller la voir tout de suite à la glacerie Les Canailles ici en dessous. C'est parti. Valérie, tu m'expliquais que finalement au quotidien t'accompagne les petites et les grandes entreprises à intégrer les enjeux du développement durable dans leur fonctionnement ça je trouve c'est assez théorique Concrètement, comment ça se passe ben Concrètement, ça reste assez théorique quand même aussi. Donc, globalement, je vais rencontrer les comités de direction, les managers en général. Et la première chose que je fais, c'est leur expliquer c'est quoi en fait les enjeux du développement durable. Donc, ça veut dire qu'ils doivent tenir compte de leurs émissions de gaz à effet de serre, qu'ils doivent regarder ce qu'ils produisent comme déchets, quelles sont les relations qu'ils ont avec leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, leurs clients et avec le territoire sur lequel ils existent. Et puis, ok, ben, étant donné cela, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour réduire notre impact Globalement, c'est ça que je fais. Alors, pour, pour avoir quelques idées concrètes, ça se passe comment euh, Celles et ceux qui nous écoutent sont peut-être intéressés pour leur entreprise. Qu'est-ce qu'on peut changer concrètement dans, dans les mois qui viennent quand, quand tu arrives dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelques exemples, en fait. La première chose, vraiment, qu'il faut faire, c'est commencer par mesurer. Donc, en ouais. général, on mesure, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone. Okay. Donc, on va mesurer la quantité de gaz à effet de serre qui est émis par l'activité de l'entreprise. Et on va aussi analyser tout un ensemble d'autres indicateurs, comme, justement, quels sont les flux de déchets qu'on génère, qu'est-ce que l'on peut, comment est-ce qu'on peut améliorer nos relations avec nos fournisseurs pour rendre les choses de plus en plus éthiques, aller vers du bio, aller vers du bio sourcé, etc. Et donc sur base de cet inventaire-là, on sait comment est-ce qu'on peut agir. Est-ce qu'on doit faire de la récupération de chaleur Est-ce qu'on doit mettre de l'isolation, des panneaux photovoltaïques Et en général, beaucoup d'entreprises ont déjà fait ça. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour changer nos process, changer la, parfois la structure même de nos produits et partir oui. sur du biosourcé, ah oui. et, etc. Quoi. Ça, ça va jusque-là, en fait. Oui. Ça va jusque-là, bien entendu. Et pour tout changement euh, dont tu parles, est-ce que vous avez la volonté, et je pense que oui, mais comment, du coup, euh, d'intégrer les collaborateurs au, au processus Alors, dans ce changement-là, intégrer les collaborateurs, c'est juste. Indispensable. C'est vraiment un process où on va changer l'entreprise de l'intérieur et c'est important d'embarquer en fait tous les collaborateurs avec soi. Et puis de toute façon, les collaborateurs à la maison ils sont déjà investis par rapport à l'environnement mmh. et eux ils attendent que l'entreprise s'y mette enfin et donc c'est super important d'aller chercher cette énergie, cette envie de collaborer pour améliorer l'entreprise de l'intérieur. C'est une fierté aussi pour eux, ça donne du sens à leur, à leur travail. Quoi. Absolument. Tu, tu parlais du territoire, peut-être la, la question qui fâche. En région Wallonne, on est plus ou moins bien avancé par rapport à d'autres régions alors, je ne vais pas répondre à la question. Euh, c'est un peu plus complexe qu'en que en, en deux minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre législatif en Belgique, il n'est pas aussi riche, aussi euh, favorisant et incitant que dans d'autres pays européens. Okay. Même si on a les directives européennes, etc. Donc, par rapport à la France, par exemple, on a un cadre qui est un peu moins fort. Ceci étant dit, moi, je vois qu'il y a énormément d'entreprises qui ont déjà euh, sont déjà mis en route par rapport à ça. D'abord parce que d'un point de vue économique, financièrement, c'est pas possible de ne pas tenir compte de ces oui. enjeux-là. Et ensuite parce qu'elles ont vraiment envie, on a des entreprises qui sont plutôt euh, familiales, avec des valeurs qui sont très très fortes, et pour elles c'est important d'être cohérent et d'intégrer en fait euh, une justice sociale, une justice environnementale dans la manière dont elles fonctionnent. Tu disais euh, faire évoluer le produit, donc une émission télé éco c'est une émission télé où il y a des cuillères comestibles, et une glace, tu payes évidemment. Absolument. Et une équipe qui se déplace uniquement en vélo. Ça va, choqué. Ça, Ça va. va. <laughs> Ça, ça ressemble à un teckel à poil. Ça. ça y ressemble, hein. un, ah, un gros tequel. Énorme. Un gros Alors, je pars le vélo. Voilà. Donc, LGH, artiste-sculpteur. Ah, pourquoi est-ce qu'on fait étape ici Explique-moi ça. Alors, pourquoi bah, Déjà, euh, j'avais envie de donner une petite touche artistique à, à tout ce périple qu'on a, qu a réalisé ensemble. Et, euh, et ici, c'était le parfait endroit parce que LGH, donc un, un sculpteur un peu de la probable. on le connaît comme ça, par des sculptures ouais. en bois, beau, euh, ouais. en bois récupéré. C'est une première chose que les gens ne savent pas. Et la deuxième chose, c'est que derrière les sculptures, il y a aussi un artiste, un artiste qui est ultra engagé. Et, euh, et ça, comme je le dis, voilà, les gens ne le savent pas. Et j'avais envie de te présenter son univers, qu'on découvre ce, ce bazar de l'incroyable ici. Et... C'est la caverne d'Ali Baba. Attends, tu attends, rien vu. C'est impressionnant ici. Ouais, c'est. Ah voilà ah. le maître des lieux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, C'est christophe Ouais, ça, ça va, va bien. bien. On peut citoyer Bien sûr. Ouais. Alors moi, je suis vraiment surprise que j'ai vraiment l'impression d'arriver dans un cabinet de curiosité, mais avec des œuvres toutes réalisées finalement à, à base de, de matériel de récupération. C'est ça en fait l'idée. Ouais, l'idée c'est d'aller sur les poubelles et, et trouver des beaux, fait, des objets qui me parlent et. Et pouvoir et les faire vivre. Euh, voilà les faire vivre, associer des, des éléments ensemble C'est vraiment incroyable parce que c'est c'est aussi un, un, un musée d'une certaine manière, un atelier d'artistes. Tu nous mm -hmm. fais une petite visite Allez venez, suivez-moi c'est parti. Avec plaisir. Viens, viens. Hop, hop hop. Voilà venez voir c'est ici. Ah oui. <laughs> C'est ici que quoi? Bah, C'est ici que j'ai refait une étape de plus euh, dans mon atelier. C'est un petit poêle pour me poser. Euh. Il y a 400 mètres carrés ici. Tu as cassé tous les murs et tu as tout reconstruit autour? Euh, je n'ai cassé qu'un mur. C'est le, le mur qui était ici. Ouais. Tu vois? Et d'où j'ai mis les portes. Des euh... portes récupérées aussi? Oui. Ça vient de Bosco, ça. De Bosco-Vervier. Okay. ok. Ah ouais, d'une école. Ouais. Alors, nice. euh, Les déchets, ils, ils viennent d'où en fait? tout ce que je trouve dans la rue, les containers, ici euh... dans la rue de manière sauvage ou tu sais comment comment ça se passe dans la rue ben, dans la les rue crasses de... Bord de route. voilà les crasses de bord de route Ah, ouais. enfin, les crasses et maintenant ouais les crasses entre guillemets puisque euh, ouais. tu dois parfois trouver des, des choses en te disant c'est pas possible qu'on jette ça ah oui il y a des choses en plus de valeur il y a il y, y a de tout mais après la valeur moi ce que j'essaye d'y mettre c'est la mienne tu vois mm. c'est ma valeur à moi tu m'as déjà expliqué que tu trouvais des objets Neuf, carrément, toujours. Ah oui, tu, ouais, tu trouves des objets balai. Mais je me rappelle, j'avais. Moi, j'ai fait ça depuis tout petit, gamin, quoi, tu vois. Donc, euh, ma mère, à un moment donné, elle avait. Euh, je remplissais la cave. J'ai une maladie de, de, de récupérer des objets depuis toujours. OK. Et euh, bah, à l'époque, on avait les faux de grenier. Oui. Donc, ça profitait à tout le monde. Maintenant, c'est les containers, ça ne profite plus à personne. C'est ça que je trouve aussi un peu dommage. Tu vois, un, tu, tu regardes des fois ton beau vélo. Dans le container, et t'as le gamin d'à côté d'où t'es pas acheté le vélo, mais qu'il aurait, il aurait bien fait cadeau, tu vois. Donc aujourd'hui, ça, ça divise encore de nouveau les gens. Je trouve que là, ça rassemblait les gens, euh, pas toujours, hein, parce que t'as des fois des engueulades sur les trottoirs. Eh, hey, c'est à moi ça, tu T'as vécu euh, des situations un, ouais, peu, euh, un ouais. peu folles en allant chercher tes objets Moi, je m'en fous en gros, mais il y a des gens qui se disputent. Puisqu après il y avait des gens qui vivaient autour de ça aussi. Hein. C'est comme ça que j'ai démarré, moi, au fait. Hein. Je ramassais pour aller sur la brocotte, quoi. C'est ça. Tu vois, tu trouves une belle chaise, tu te dis, allez, 5 euros. Toujours au jour d'aujourd'hui, mes enfants, ils... fait enfin, maintenant, ils ont compris, quoi, tu vois, quand je ramasse un truc sur la rue, ils savent que c'est pour euh, avoir 5 euros dans, dans la poche, ou 10 euros, ou, ou alors ça devient une sculpture, quoi, tu alors, vois. alors, justement, avec l'expérience que tu as, quand tu trouves des objets dans la rue, mmh. tu sais déjà ce qu'ils vont devenir ou bien euh, tu récoltes et ça, puis ça c'était avant. Ça c'était avant. Ça c'était avant mais parce qu'ici tu... tout était rempli. Vous faites les, les, les 400 quatre mètres carrés étaient remplis de. J'ai vu ça de mes yeux. C'était. ça <laughs> n'avait plus marcher en fait. Voilà. Tu, ça tu te cognais contre un mannequin, contre tout... un bon support. Ouais, voilà. ouais. Et moi, moi j'ai une question. Est-ce que on parle des gens de, 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 de ta démarche artistique Mais est-ce que les gens qui, qui, qui te prennent une pièce, ou qui te commandent une pièce, ils le font pour la beauté de la pièce J'imagine que oui. Mais s'ils connaissent ta démarche engagée derrière justement par rapport au. Ben après, ça c'est. Moi, moi, quand ils viennent chez. En enfin, général, les gens qui me connaissent connaissent déjà plus ou moins ce que je fais. Et après, j'essaye aussi de, le... de les sensibiliser par rapport à ça, aux déchets. Tu as une volonté que tu Est-ce que tu te dis quand la pièce va se retrouver chez les gens, elle va raconter aussi une histoire sur mmh. notre planète sur notre façon de, de vivre etc ou est-ce que toi tu te dis je crée et puis les gens ils, pensent, ils en penseront ce qu'ils veulent quoi c'est quoi un peu ton, ton état d'esprit par rapport à ça est-ce que as envie d'être engagé jusque quand la pièce se retrouve chez les gens ou est-ce que après tu les l'engagement euh... c'est de la faire tu vois déjà pour moi après euh, j'avais fait une expo pour des aveugles et c'est là où tu te dis c'était le plus beau pour moi et le plus le plus fait enfin, le plus émouvant que j'ai vécu c'est que les aveugles, fait pas tous, mais certains aveugles, avaient redécouvert, les, à travers les formes des pièces que j'avais mis dans mes sculptures, ils redécouvraient le mobilier que j'avais utilisé. Quoi. Ah oui. Et ça, c'était étonnant, parce que moi-même, tu me fermes les yeux, je n'arriverai pas. capable de reconnaître. Donc, euh... ça, c'était quelque chose pour moi qui m'avait pris vraiment dans les tripes. quoi. Alors, il y a le travail d'artiste, il y a l'aspect professionnel, mais dans la vie quotidienne, est-ce que tu es zéro déchet ah ben non, c'est ça. Et c'est ça que maintenant je suis <coughs> un peu en train, enfin pas un peu en train, il y a la pièce derrière toile qui a été faite voilà, avec, des, si ouais, avec des rétroviseurs de, de mini. Ouais. Mais ça fait déjà quelques années que je l'ai faite. Et c'est du plastique. Et c'est là où j'ai maintenant plus envie de, de me recentrer sur moi, sur mes déchets à moi ainsi que les déchets de mes enfants, quoi, parce qu'il faut les éduquer aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est une éducation à avoir. <laughs> non, c'est a... non, non, parce que j'allais pleurer, je ouais. me retiens. Et, euh, et moi, je trouve que dans l'idée du déchet, c'est de pouvoir, si même on en fait, que ce soit un déchet propre, qu'on en arrive à en faire un déchet euh, euh, ou euh, réutilisable, ou un déchet propre, et je pense qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on devrait plus mettre des moyens là-dedans que dans que d'autres choses. Quoi. Alors moi, ce que je voudrais, c'est te voir en fait, travailler. Ouais. Alors, je préfère des filles, non Tu ouais. préfères pas me voir danser <laughs> Ah, tu danses aussi Ah ouais Une <laughs> en fait, tu fais danser est une journée gâchée. Mais venez, vais, on va aller à mon atelier. <laughs> venez, venez. Regarde, euh, j'ai ramassé ça, euh, tu penses que ça, c'est quoi comme déchet ça Ça, ça vient d'une voiture. Déjà, c'est un bout de plastique. Ouais. Ça vient d'une voiture. À mon avis, je pense que c'est l'antibrouillère de... où il n'en avait peut-être pas, c'est peut-être ça qu'il a perdu son bout de un plastique. Machin, ouais, un machin comme ça. Voilà. Après moi, je, en fait, je l'ai vu hier sur la rue. Et euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis sensible maintenant au niveau du plastique parce que voilà, ça traîne partout et on s'en fout, on dessus en plus. Mais ça va loin quoi, genre tu vois un truc comme ça. Fin... Mais mmh. quand je l'ai vu sur le, le truc, tu dirais que j'ai vu un œil dedans, oui, oui. j'ai vu direct sa ah oui, forme. Ah oui ok, t'as eu une vision parce ouais. que c'est ça. Ouais. Euh, je veux dire, à part aller le mettre dans une poubelle, <laughs> ce qui est super, mais on ouais. se dirait pas qu'on peut en faire quelque chose. Toi, t'en fais quoi de ça Mazat, t'en ferais quoi oh, toi pas. Bah non, non, je suis bien qu'elle déroge pas, c'est juste qu'elle pue de la gueule. Et là, du coup, ben, je suis sur les insectes, mais celui-ci, maintenant, quand tu l'as tenu en main, j'ai vu aussi un peu des, des Un peu des pinces, ouais, tu ouais. vois, ça pourrait devenir aussi une tête d'insecte. Mais euh, je vois aussi sonner que le jeu, euh, le, ouais. le jeu, là. le... le... Et, et je vois aussi un poisson, tu vois. Donc, dans l'idée, on pourrait insérer un œil dedans, ça ferait partie de son œil. Ça, ça pourrait faire partie de son. le devoir du poisson. Et, euh, et derrière, pourquoi pas une palme ou un truc comme ça, encore un truc bien plastique. Quoi. Comme je suis parti dans les insectes, là j'ai pris de nouveau la, la castagnette et je suis reparti sur la forme de la carapace. Donc si tu avais même celui-là par au-dessus, ouais, tu vois. Oui, c'est ouais, vrai, ça marche. Hein. Ça marche bien, quoi, ouais. tu vois, ça donne directement la forme. Après, tu remets des pattes. Et puis, euh, tu en arrives à avoir un euh, gros bateau, celui-là. Mais on peut le faire, on peut se faire un petit insecte vite fait. Hein. Oh. Tu vas te faire mal. J'ai un ami à moi qui fait de la sculpture, il dit toujours ça, c'est la PlayStation des enfants. Alors là, je tape une agrafe, ça me la mettre dans le doigt, tu vois, ça tient déjà. Tu peux te prendre euh, six pattes, six perles identiques. Allez, on va regarder. Peut-être les petits boudins, là. C'est là? Donc, dans l'idée, euh, tu m'as sorti des roses, c'est ça. Hein ouais. On pourrait peut-être les mettre là au départ de gros. Et puis simplement des jeunes pattes. Ou on lui remet encore une petite pâte en plus parce qu'il est minuscule. Il hein ouais, ouais, okay. faut rester dans une proportion ou alors on exagère. Euh... Ça, c'est la sécurité okay, que tu okay, tiens avec okay. le petit, avec le doigt du milieu. là. puis un peu parce que là, il risque ouais, de sortir la perle. Euh, ai été... C'est pas grave. Tu vas faire mieux. Il reste encore une pâte à faire. Hein tu n'as ah pas oui fini. Ah ben oui, six pattes qu'on avait ah dit. C'est magique, hein. a vite accro, hein, en fait. Ah ben oui, c'est. <laughs> je parle à la euh... C'est un petit pistolet, hein. Et on dirait une espèce de colibri, c'est ça. Ouais. Pas mal, ça, Ouais, non pas mal. Ah yes. Tu cherches quoi, Urban La pelle rose, ça, mademoiselle. Ah oui, ça que tu veux que je raison, mette. Hein. Et ça Parce que j'ai bien senti que tu ne voulais pas trop d'extravagance. J'ai bien senti que tu voulais <laughs> pelles <petits> noires... <laughs> C'était limite, je reviens non, à mais des classiques. En, hein, je je te... Te... Non, non, c'est parce qu'elle me coûte cher. C'est <laughs> pas du tout un hein, gars extravagant. C'est des poubelles bon, qui euh... coûtent cher. Hein, okay. Entre-temps, j'ai trouvé une tête, ça a fait un espèce de colibri. Ah ouais, c'est ah ouais, joli aussi. Ah et des vois. Vois. yeux. Oh ouais, top. Tu vois, c'est pour ça que c'est dur dans mon métier, parce que tu formes vite des gens, et puis voilà. voilà trois, deux artistes de plus. <laughs> Concurrence, quoi. Concurrence. C'est quand même pas le métier le plus désagréable du monde, non je sais pas, dis-nous. Mais non, mais chaque, moi, je pense que tout un chacun est sur la, la terre pour faire ce qu'il a à faire, quoi, tu vois. Et moi, je me suis découvert là-dedans il y, y a longtemps. Sauf que je, je suis toujours parti vers ce qui n'était pas propre à moi-même. C'est-à-dire, t'as une, ben, une vie de famille, tu dois remplir euh, le frigo, tu dois, en fait, as toujours payé, payé, payé. Donc, comme je, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un métier facile, artiste, il faut pouvoir aussi te vendre et c'est toutes des combinaisons soit que, bon, maintenant, ici, moi, mes enfants, ils sont gros et je n'ai plus besoin de... Enfin, il faut que je survienne encore à leurs besoins, quoi, mais j'ai moins de pression, quoi, tu vois. Donc, du coup, ben, ça me permet, ici, de, de vivre, de de vivre encore pleinement, libre, ouais. voilà, pleinement ce que j'ai envie de faire, quoi. Moi je dis c'est pas mal ça. Urbain, comme il est pour toi, t'es content, t'es satisfait. Il est magnifique. <rire> <rire> ah ouais. Tu le reprends comme ça ou tu veux encore des modifications Non, c'est parfait. Moi j'ai le temps, mais c'est parfait. Tu veux un autre modèle c'est pas l'histoire, le colibri, c'est avec l'histoire qui participe. La part du colibri. C'est ça. C'est plus l'histoire, c'est éteindre un incendie goutte par goutte, c'est ça C'est ça. La part du colibri, c'est l'idée que chacun peut faire sa part. C'est un peu l'idée. C'est complètement l'idée du généraux d'échelle. On dirait presque qu'on l'a préparé, mais c'est pas le cas. On l'a préparé. Si je l'avais préparé, alors tu ne l'as pas dit. Oui, en venant, je me suis dit, il va sans doute faire un colibri. Il va sans doute faire un colibri. Il avait caché une cuir, il avait caché Bois, les yeux, elle est tout caché. <laughs> LGH, en tant qu'artiste, tu aurais envie de, sur cette part du colibri, tu aurais envie de dire quoi aux gens si, La tu as l'occasion de faire passer un petit message en plus de tes œuvres. Qu'est-ce que tu as envie de ben, dire le, le message, c'est toi qui viens de le faire passer. C'est toi qui viens de voir dans, 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 dans ce, ce bois et ces, ces deux déchets de cuir qu'il y avait moyen d'en sortir quelque chose. quoi. Et voilà, Urbain, c'est le symbole de la part du colibri. Je c'est le symbole de l'émission en fait. Ouais, c est, c est ça, tu dois là, lui donner ça. le, tu dois lui donner l'insecte là. C'est hein. trouve l'échange. Et il faut partir au combat. <laughs> C'est un combat quotidien. Oh, non, ça va devenir lourd. Alors on arrête. Euh, merci. De vrai, merci avec de nous plaisir. avoir initiés. C'est super. Avec plaisir. moi c'est ici que j'avais envie de, de terminer notre petit périple devant la Vezre, en bord de Vesre euh, pour deux raisons. Parce que on vient de voir LGH à l'instant. Et, euh, et il a fait partie de ces personnes, de ces citoyens très engagés qui ont passé beaucoup de temps euh, sur les rivages pour nettoyer. Et je pense qu'il va continuer. Et ça c'est une première chose. Euh, la seconde, pour faire une, une transition avec euh, toutes nos discussions, c'est que... Je pense que ce, cette Vesre, elle va être pour nous un enjeu de gestion des déchets énorme dans les prochaines années. Et ça me fait penser que dans ce tour qu'on a fait, qui est forcément limité au cadre d'une émission, mais il y aurait eu beaucoup d'autres grandes thématiques à aborder, notamment la construction, l'urbanisation des villes, comment est-ce qu'on pense les villes du futur. Et, euh, et aussi, j'y pensais, le, le textile, la mode durable. Comment est-ce qu'on s'habille demain pour ne pas avoir un trop gros impact Parce que l'impact du textile est, est, est juste gigantesque. Donc euh, voilà, ça fait partie des points. Mais en tout cas, j'ai eu super bon de cette collaboration. Moi aussi. Et de ce tour, merci. Mais, mais je voudrais te réserver une surprise, une dernière rencontre. Un visage connu de Vedia qui a encore des choses à dire et qui a des informations à nous donner sur l'idée et la philosophie du zéro déchet. Il est pas loin, il est en bord de Vesre un peu plus loin. On okay. va le rejoindre Je te suis. Bon, d'abord les présentations. Arnaud, Jérémy. Arnaud. Arnaud, très heureux de te retrouver pour la fin de notre cycle dans, dans tout l'arrondissement. Euh, Jérémy, Arnaud, en fait, c'est le regard scientifique que Vedia veut porter sur l'actualité locale. Arnaud pilote notamment l'émission Epistème. Et puis aujourd'hui, on va parler avec lui justement de, de ce qui nous concerne zéro déchet. Arnaud, d'abord, première question. L'empreinte carbone, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas bien ce que c'est. C'est quoi en fait Mais c'est assez simple. L'empreinte carbone, en fait, c'est la quantité, le volume de CO2, le dioxyde de carbone, qu'une personne ou une entreprise émet par an. Par exemple, en Europe, on estime qu'un ménage émet environ 18 tonnes de CO2 par an. Et c'est un indicateur important parce qu'il n'y a dans le monde scientifique plus aucun doute sur le fait que l'activité humaine, et en particulier l'émission de CO2, contribue au réchauffement climatique. Et justement, tu, tu parles de ménage dans ta réponse. Comment est-ce que le, le ménage moyen, le ménage lambda, tout citoyen peut agir dès demain sur son empreinte carbone Alors, il y a pas mal de sources d'action pour diminuer son empreinte carbone. Une d'entre elles pourrait être de consulter le site bilancarbonepersonnel.org qui, suite à une série de questions, vous donne votre empreinte carbone. Je l'ai fait et je me suis rendu compte que j'émets une tonne de CO2 en trop par an. Et donc, le site, loin de culpabiliser les gens, donne des pistes d'action concrètes, certaines qui sont faciles, d'autres un peu plus difficiles à mettre en œuvre, pour diminuer cette empreinte. Par exemple, la première source d'émission de CO2 dans un ménage, c'est le chauffage. La deuxième étant le transport, et puis vient la nourriture. Et bien, sachez que quand vous consommez un kilo de bœuf, vous émettez environ 27 kg de CO2. Si vous consommez un kilo de poulet, c'est 4 kg de CO2. Un kilo de légumes fait environ 300 à 400 grammes de CO2 et un kilo de pommes de terre, à peine 200 grammes de CO2. Et donc, changer des petites choses dans son alimentation permet de diminuer son empreinte carbone. Alors, Arnaud, on a rencontré tout à l'heure Valérie Geron qui accompagne les entreprises dans cette réflexion. C'est un gros boulot pour les sociétés à l'avenir de justement limiter leur empreinte carbone. C'est un gros boulot, oui, mais il faut se rendre compte que ce sont les sociétés qui polluent le plus. En 2019, les sociétés les plus polluantes d'Europe ont investi 124 milliards d'euros pour diminuer leur empreinte carbone. Alors c'est une très bonne nouvelle, mais on estime que pour entrer dans les objectifs de l'Union européenne de diminution du carbone entre 1990 et 2030, cet investissement devrait être doublé. L'objectif pour l'Europe, c'est que ces sociétés-là arrivent à une neutralité carbone, c'est-à-dire plus d'émissions carbone d'ici 2050. Et le mauvais élève parmi ces sociétés, ce sont les fabricants de matériaux, qui ont contribué pour seulement 6 milliards des 124 milliards investis, alors que ce sont les plus polluants. C'est super intéressant. Et, et au niveau, tu parlais d'Europe, au niveau Wallon, est-ce que le Wallon est un gros producteur de déchets En fait, le Wallon se situe dans la moyenne européenne avec environ, pour l'année dernière, 500 kg par personne et par an de déchets produits. On est proche de la moyenne européenne qui est de 450 kg de déchets produits par an. Oh, c'est plutôt un bon bilan, ça, non C'est pas mauvais, et en plus nous sommes parmi les meilleurs trieurs en Europe. En 2010, une enquête a montré que, avec l'Autriche et l'Allemagne, la Belgique était en tête du tri des déchets en Europe. Alors qui dit tri dit recyclage, et recycler, finalement, c'est pas une idée toute neuve. Non, recycler, ça existe depuis euh, bah, depuis que l'humanité existe en fait. Dans l'Antiquité déjà, on fondait les métaux qui avaient été utilisés pour reforger de nouveaux outils, des armes, etc. Par après, le papier euh, a été recyclé aussi et principalement les tissus ont été réutilisés pour faire du nouveau papier. Donc c'est pas du tout une idée nouvelle, mais bien évidemment la technique a évolué et on recycle de mieux en mieux avec une qualité du produit recyclé toujours plus grande. Alors aujourd'hui... Euh... En 2021, c'est quoi recycler en fait Alors il y a deux types de filières pour recycler de nos jours. Il y a les déchets qu'on dépose devant la porte, devant chez soi. 70% de ces déchets sont recyclés ou revalorisés en fournissant de l'énergie. 30% de ces déchets, hélas, connaissent une filière qui n'est pas une filière de recyclage. Par contre, les déchets que vous déposez au recypark, et il y en a 58 en Belgique, sont recyclés à hauteur de 96%. C'est énorme. On est passé à la fin du cycle dernier de 50% des déchets déposés qui étaient recyclés à 96% pour l'année dernière. Je pense qu'il est toujours bon de rappeler aussi aux personnes qui nous regardent que recycler, ça vient dans la philosophie, on va dire, zéro déchet. Toujours en dernier, qu'avant ça, on peut refuser, récupérer, réutiliser. On voilà. peut tout à fait refuser de, de consommer un nouvel objet. On peut le réutiliser. C'est le cas par exemple, exemple d'un pneu. Euh, les pneus de voiture ou de vélo que vous avez utilisés dans, dans cette émission, en fin de vie, peuvent être réutilisés euh, de diverses manières. Ils peuvent être utilisés ben, comme des barrières, comme à Spa-Francorchamps par exemple pour la sécurité des pilotes. Ils peuvent être réutilisés par les agriculteurs pour des silos semi-enterrés. Ils peuvent être réutilisés dans des tas de, euh, de nouvelles, euh, pour leur donner de nouvelles vies. Mais peuvent être aussi recyclés. On en fait de la poudrette de caoutchouc qui se retrouve, eh bien, dans les pots euh, de fleurs, dans tout un tas d'objets euh, plastiques de notre quotidien et aussi dans euh, les euh, pistes d'athlétisme que l'on voit, les revêtements semi-durs euh, des pistes euh, ou des plaines de jeu de nos enfants. Alors le, le scientifique que tu es n'aime pas les croyances, il faut les identifier, les contourner. Il y a une croyance, par exemple, c'est l'idée que... Ce qui est naturel est forcément bon. Alors, il faut faire très attention à cette croyance. C'est une croyance qu'on appelle en rhétorique l'appel à la nature. C'est-à-dire que ce qui est chimique est mauvais par essence et ce qui est naturel est bon par essence. C'est très dangereux de croire ça. Le manioc, par exemple, euh, qui est euh, tout à fait naturel et qu'on peut consommer, doit l'être, mais uniquement cuit. Si vous le consommez cru, il contient un dérivé de la cyanure qui se transforme dans le corps en cyanure et qui est un poison extrêmement dangereux. C'est le poison naturel le plus rapide sur Terre. Alors le cyanure, comment est-ce que ça agit Ça se fixe en fait sur le fer de nos, notre hémoglobine. C'est ce qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène dans le sang. Et donc ça empêche votre sang d'être bien oxygéné, ça empêche le sang d'apporter de l'oxygène aux organes. Et vous avez tout un tas de problèmes respiratoires qui peuvent être causés par le cyanure, qui vient du manioc, qui est tout à fait naturel. Les pommes de terre, plus proches de nous, euh, lorsqu'elles sont vertes, contiennent aussi de la solananine, qui est un poison aussi, qui peut causer, alors il faut une grande quantité de pommes de terre, plusieurs kilos de pommes de terre sur un jour pour causer la mort, ça n'arrive heureusement, heureusement jamais, mais cela peut causer des troubles digestifs, voire musculaires. On arrive à la fin de cette émission, moi j'aurais voulu vous proposer quelque chose, c'est que chacun d'entre nous prenne un engagement par rapport justement à cette démarche zéro déchet. On commence par toi Arnaud Alors je dois bien avouer que je covoiture assez peu, et je pense qu'un engagement qui permettrait de diminuer mon empreinte carbone, justement, serait d'essayer de m'inscrire sur des sites de covoiturage. Il en existe, ils sont très bien faits pour pouvoir augmenter euh, mon covoiturage. Bah écoute, moi, je rejoins complètement euh, Arnaud. J'ai envie de faire un travail sur ma mobilité. C'est encore un poids sur lequel je peux faire de gros efforts. Je me cherche encore trop souvent des, des excuses par rapport à mes déplacements. Et, euh, et voilà, c'est un gros poids. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Moi, je dois vous avouer que j'ai travaillé sur les sachets. Parce que c'est quand même toujours une catastrophe, la bonne volonté y est, mais pas le réflexe. Et donc je crois que là je dois m'engager auprès des commerçants que je rencontre régulièrement pour être beaucoup plus discipliné et m'entendre. Voilà. Mais euh, ça ne concerne pas que nous trois. Hein. Et vous justement, ce serait quoi votre engagement